Bonjour YouTube, comment allez-vous? Moi ça va très bien, j'attends Ibito. Oui, bah écoute, là je suis pas chez mes parents, j'ai pas la fibre, donc du coup bah, je télécharge à deux à l'heure. Mais j'en ai rien à foutre! Je veux jouer platine en multi! Oui, il est en manque d'intraveineuse, d'accord. J'ai besoin de ma dose de platine. Survivons ensemble à Pokémon saison 2. Six and a half hours later. Je t'attends, j'en ai marre d'attendre. Je veux Oui, on a compris, de ton shoot d'intraveineuse, on a jouer! Je veux compris, donc. me shooter au platine, tu comprends? Later. Ah Moi je suis non! dans le jeu là, donc dépêchez-vous. Ah mais moi bah j'arrive hein. Voilà, hop. Donc du coup, je suis plus dans une cinématique. On va être dans une cinématique. Pardon. J'ai pas vu cet écran depuis tant d'années. Pardon. Et ça conclut notre programme spécial, dit le professeur Sorbier. J'en ai rien à foutre de ta vie. Putain, mes contrôles sont pas configurés. Il y a un mec qui a un rush là, il est déjà à la troisième arène en 30 minutes. Pardon. Là, il y a un FR là, maintenant j'ai tout rush, troisième arène en 30 minutes. Voilà, c'est ce qu'il a marqué dans le chat. GG. Vas-y, termine tes musiques, frérot. Hein. Je peux pas t'inviter en groupe. Oui, je sais, j'attends que l'autre fils de pute il s'en aille. Oh, c'est un nouveau PC, mais ta gueule! Dégage de chez moi! Ça me saoule les gens qui rentrent chez les gens comme ça. Attends! Mako PTS vous envoie une demande de lien. Ah, mais c'est toi, je suis con. Il disait, c'est qui ce mec? On n'est pas dans le même channel ou quoi? T'es où? Si, je suis là, je suis. Alors, hé, les Non, gars, je suis sur il y a toi, un quoi. truc par contre, je suis désolé, mais le tablier de la mer là dans Pokémon Platine, j'ai toujours cru que c'était son cul, Ta gueule, putain. hein. Mais on dirait un cul, je suis désolé! Oui. Moi, je te vois, hein. Est-ce que tu me vois? Genre, je suis à côté de la télé. Oui, ah, mais c'était pas du tout comme ça d'habitude, c'est pour ça que je t'ai pas reconnu. Oui. Ah, ça me manque, ça m'a manqué cette Oh musique. là, les textures buggées! Quoi? Ah, toi, t'as des souris? Les textures de neige qui sont buggées un peu. Ah, ouais, c'est vrai. Mais mec, c'est Genre, pété. ça fait des lignes. J'avais Ah, oublié ouais, que on doit c'était. aller voir notre mec. Attends, il y a un On mec. doit aller voir Ah, oui, notre c'est mec. vrai, faut aller voir l'autre moche. Ah, Mec. si, oh là, oh, c'est. Oh, ça. C'est pas que ça pique. Mais. Attends, C'est mais. ça pique le cœur. Mais tu sais qu'en vrai, je trouve ça vachement joli. Bon, hormis les textures de neige qui sont buggées, mais parce que les. Il y a une légère 3D en vrai, c'est beau. Oui, genre normal. Non, mais c'était pas exactement comme ça. Genre, ça rend bien même en HD, pas tu vois. Les jeux qu'on a fait jusqu'à maintenant, genre la première gen et la troisième, ça rendait pas bien sur un grand écran. Là, ça rend bien. Oui, ils ont fait des efforts. Et là, tu vois, quand je vais à gauche, je vois des arbres. Je vois pas d'un coup de l'océan qui pop comme ça de nulle part. Parce que, ouais, s'il y avait ce problème-là aussi dans la troisième génération, Oui, où en full HD, tu voyais des océans à gauche et à droite, et en haut et en bas, alors que bah, y avait des arbres ou un désert ou n'importe quoi. Juste parce que le jeu chargeait pas les textures assez loin, quoi. allez, on va choisir notre starter. Tu veux qu'on fasse un truc Mais spécial pour notre attends! starter? Mais Ah, attends! Attends-moi! Vous savez quoi? Mais on est trois. Je sais pas jusqu'à quelle heure on va jouer, mais en tout cas on est trois. Donc, un starter chacun. ouais, mais. Même si Ryu est pas encore là, mais il nous rattrapera, c'est pas grave. Alors attends, j'arrive en haut. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de problème avec les roms. Bonjour, monsieur Sorbiette. Attends, mais le rival il s'appelle comment? J'ai pas. Oui, c'est, Eh! c'est un rival. Ils nous ont pas fait choisir le nom du rival du coup. Ouais. Il s'appelle String 30095 pour ma part. Pareil. Ah d'accord, il s'appelle pour tout le monde pareil, ok d'accord. Trust me, je te trust pas trop, hein. Tu sais que t'es un peu con quand même à vouloir aller dans des hautes herbes alors qu'il n'y a pas de Pokémon. Non! Mais je pense qu'il n'y a pas que la neige qui est surveillée, il y a aussi les barrières. Oui, les murets, tu vois, ils sont buggés les murets. Il y a les ombres des arbres sont buggés aussi. Écoute, ça Non mais. sera posé Et. sur le serveur live. C'est aussi. Déjà, un, c'est pour ça qu'on teste. 2, j'en ai rien à foutre, je suis en train de jouer à Pokémon Platine sur Pokémon. 3, Ibito est un connard. Ça, c'est vraiment la meilleure raison du monde. Non, du Et coup, 4, je sais qu'il faut le faire. Aurore est une salope. Putain, c'est dingue. Aurore, c'est les bonnes. Voilà, c'est ce que j'aime. Alors, random.org. Non, mais si on commence pas le technique, genre, quand on fait un l'espèce, c'est juste pour le fun et le délire, qu'on fait C'est parce ça. qu'on s'amuse, voilà. Alors, moi, je vais prendre. Non, pas moi, enfin. C'est qui 268? C'est le dernier, c'est Rukuro. Donc Rukuro prendra le premier Pokémon dans la mallette. Enfin, celui qui est à gauche, quoi. Celui Quoi, qu'à gauche, c'est il celui qui est à gauche? aura Tortipousse. Donc t'auras Tortipousse. Le Ibito, pire starter de 3, hein. tu auras le troisième. Je crois que c'est Tiplouf, non? Tipousse, nice! Putain, je voulais Assis Tiplouf! haut! Tant pis, Ah, j'aurais mais oui. stratégiquement parlant, défensivement parlant, c'est le meilleur des 3. Mais en plus, t'as un avantage sur moi, gros fils de pute! Pardon.
Bah non. Bah si. Alors, dès qu'ils seront full évolués, t'auras plus d'avantages sur moi. Parce oui, que mais au début, non. Ouais, au début, non. Mais de toute façon, je pense pas qu'on finira le jeu. À moins qu'on rush, vraiment. On va pas finir le jeu sur le PTS, ça c'est sûr. Donc du coup, il y aura un retirage de l'exploitation au serveur live. Il y aura un retirage, de toute façon, oui, pour la saison 3. Oui, c'est la saison 3 qui commencera sur... Ça tease déjà, quoi. Six and a half hours later. Oh, je me déteste. J'avais pas changé de scène. Non, ta gueule. Je suis sur Pokémon, je suis plus sur random.org depuis tout à l'heure. Oh non. C'est pas grave, les gens, vous avez rien loupé, j'ai juste capturé un Lixi, insulté des darons, et je suis devenu pédophile aussi, voilà. D'ailleurs, petit tease, tous les mercredis soir, on fait un live. Non, je rigole. T'es malade de dire ça, toi. Rigole, hein. Je serais pas motivé. Moi, non, en vrai, j'aimerais bien faire des lives plus souvent, mais déjà, pendant les vacances, c'est pas être possible. God bidouf. Depuis que j'ai des Pokéballs, je ne tombe plus sur de bidouf. Alors que je veux en capturer un à tout prix. Si j'en capture un, t'as plus droit d'en capturer, du coup. Ouais, c'est bon, hein. Les règles à la pense. On n'est pas dans Pokémon, on n'est pas dans la saison officielle, on fait un peu ce qu'on veut là. J'accepte au possible d'oublier Pokémon épée pour commencer directement Pokémon saison 3. Non, je peux pas, ok. Bah si, tu fais ce que tu veux en sa chaîne. Quoi, il a fait deux fois. Quoi, il a fait deux fois à bris d'un coup. Toi aussi. Ouais. Il allait la faire une troisième fois, j'allais dire non mais mec calme-toi par contre. Il me fait nommer un truc, c'est quoi que je nomme? C'est ton Pokémon je crois. Si tu le nommes pas, t'es moche. Qui donne pas de surnom au Pokémon. Je suis à féliciter. Je me félicite de cet exploit. La blague est valide. Non. C'est Belladonis. 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 Et du coup pour la montre. Ils vont se démerder comment? Franchement, j'avoue. Je me trouve trop beau. On fait comment pour la Pokémontre, j'avoue? Ah, Belladonis qui me donne le VS Recorder. Belladonis il me fait toujours rire, genre sa manière de partir. Non, mais je veux pas te suivre. Ouais. En plus, il est de type acier vol. Mais il est là, je suis con. De mais type en fait, acier. Même dans le jeu, à un moment, on te le dit. Quelque part, on te dit. L'évolution de ce Pokémon, c'était celui qui était censé faire le taxi autrefois, je sais pas trop quoi. D'accord. Non, c'était pas autrefois, c'est celui qui fait le taxi, c'est tout. J'ai reçu une Poketch. Non, il y a vraiment le avant, ou en tout début. Parce que maintenant, tu vois, il y a les taxis qui volent, les voitures qui volent. Non, mais non. Mais avant, au tout début, c'est Corvus. Non, mais t'es con, tu le fais exprès. T'as pas fait le jeu, c'est pas possible. T'as juste pas fait le jeu, gros. C'est pas des voitures. Mais c'est pas des voitures, c'est Corvallus qui porte un putain de... Ah bon d'espèce de... Oui, c'est comme si c'était un ballon, mais sauf que c'est un Corvallus qui porte. Voilà. Petite boule. T'as déjà vu des voitures dans Pokémon? Je peux avoir des... Ouais, déjà. À part peut-être une ou deux fois dans l'anime. Mais ah non, enculé de Barry avec son petit plouf. Mais merde, je suis con, j'aurais dû aller au centre Pokémon. Ouais, j'aurais peut-être dû aller au centre Pokémon quand même. Hein. Parce que là, il va me défoncer en fait, Barry. Barry Croupeton Junior. La blague est... La première arène est si proche et j'ai rien efficace sur la roche. Toi, tu peux trouver des Machocs dans le terrain. Ouais, mais c'est nul les Machocs, j'aime pas. C'est des petits bonhommes là qui font genre ils sont trop forts. Hein. Une grosse merde en fait. Je pourrais développer, mais je suis sûr que tout le monde s'en fout. Quand j'étais petit, j'avais imaginé que je ferais mon arène au sommet du Mont Couronné. Et comme j'étais petit, évidemment, j'avais que des Pokémon légendaires dans mon équipe. C'est quoi le type de ton arène? Ah, c'est type légendaire. Moi, mon équipe, c'était type Arceus. J'avais aussi de tout type différent. Voilà. Ou alors, le dressé, moi, c'est team level 1. Par contre, le team level 1, c'est un peu surcoté. Mais ouais, c'était... voilà. Je m'étais dit un à bras, putain. Mais vous fumez, monsieur. J'ai pas de Master Ball, là, je suis désolé. Ah, techniquement, j'aurais pu faire Provoke. Mais attends, est-ce que ça marche, ça? Si je fais Provoke sur un... Attends, ça fait quoi, Provoke, déjà? Provoke, ça t'empêche d'utiliser des attaques inoffensives, donc oui, ça marche. Donc ça marche. Ok, je vais faire ça. Allez, go faire Provoke. En plus, je crois qu'il a pas d'attaque, en fait, à bras. Non, au début il a pas d'attaque. Donc il est bien niqué parce qu'il peut rien faire. Oui. Pouf, 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 pouf. What? Comment est-ce qu'il a fait pour perdre 3 PV en 2 secondes? Non, ma Pokéball n'a pas fonctionné. Ah, il fait lutte! Mais c'est pour ça. Mais il va se tuer cet enculé! Difficile!
je vais perdre là, on est d'accord. Hein. Je vais perdre contre un psycho quoi que level 8. Ça c'est dur. Eh ben yes, j'ai perdu. Et tout ça pourquoi? Parce que mon Lixi n'est pas entraîné. A few moments later. Oh non, Ryu avec deux U. Surprise, motherfucker! Ça c'est moche. Ouais, c'est ça, maintenant que je vois son pseudo en vert, je le vois. Oh, un bras! Ah, mais oui, mais j'ai pas le bon Pokémon en premier là, merde. Le Raikaiou sauvage utilise charge. Le Raikaiou sauvage utilise boule armure. La défense du Raikaiou sauvage augmente. Hop, le neuf est capturé. Évolution de Pokémon Donjon Mystère. Maintenant, c'est Pokémon Donjon Mystère 2. Ah, oh, nice! Ils ont mis un nouveau truc. Qui est quoi? Il n'était pas avant. Quand tu captures un Pokémon, tu gagnes de l'XP. Oh, c'est saut génération nouvelle. C'est saut génération 6. Et j'ai appris Mach Punch. Pardon. Moi je dis, qu'on mette au défi Zervag d'avoir un Magikarp Shiny. Mais... ça sera un bâtard parce que il a le Léviator Shiny. Ouais. Oh, j'avais oublié cette musique. Oui, la musique c'est totalement plus du tout la même, sauf que moi j'ai continué à la chanter. Par contre, ce qui va me faire kiffer, c'est de retrouver l'item qui nous permet de visiter les mines. Est-ce qu'il y a les souterrains? Il te l'a donné le mec là? Ouais, il va nous le donner là. Oui, non, mais est-ce qu'il te l'a donné? Oui, il nous donne l'item obligatoirement. Mais toi, non mais toi, toi, est-ce qu'il te l'a donné là? De quoi? Est-ce que tu l'as? Pas encore, mais normalement il te donne l'item. Oui, je sais. Attends, c'est par où la mine? Je sais plus moi. Oh, il y a tellement d'objets ici. Non mais dégage de mon chemin toi. Tesson jaune. Moi, à chaque fois que je lisais tesson, ça me faisait penser à un tesson de bière. Ok. Moi j'avais 8 ans. Non, c'était un... C'est pas les tessons, genre les... Quand le verre il est cassé, non? Si, c'est ça, justement. Un onyx. Bonjour. Quoi, ma gueule? T'as eu un onyx, là? Oui, dans la mine. Oh, le bâtard. Moi, c'est là que j'ai eu mon premier onyx. Dans la mine, dans la mine. La première fois que j'ai joué à Pokémon. Oh non, il fait jet de pierre, je vais souffrir. Match punch. Et là, il meurt. Il est pas mort, ça va. Ah non, quel bâtard. Et faisons un petit flamèche, ça devrait pas le tuer. Et là, ça le tue. Et ça l'a tué. JPP de moi. J'ai même plus... Bon, ça suffit, les Pokémon sauvages tous les 3 mètres, là, merde. Mais... Il rage genre un peu sur le live. Je fais un pas... Un Pokémon, c'est simple, c'est ça. Du coup, je fais fuite, et il me dit fuite impossible. Et je suis confus, et j'ai encore moins de la confusion, tu vas voir. Quand tu t'en vas maintenant. Mais moi, je mets à courir, j'ai un Pokémon, lui, il a pas. T'as acheté un repousse ou quoi? Putain, les mecs, vous êtes en retard, hein. Je suis toujours à la reine, hein. Mais mec, mais j'ai des Pokémon sauvages tous les 3 mètres! J'ai encore un putain de Raikaiou qui me fait chier, là. Et pour la peine, je vais le capturer, fils de pute. Wow. Et la Tesson, ils l'ont pas respecté, ils l'ont foutu dans objet quelconque. Oh, un Raikaiou. Ah, mais non, c'est pas un dresseur ça. Ah, y'a Pierrick là. Oh, Pierrick, dis-moi que tu me fais sortir de la mine tout seul. Non. Ah, enculé. Non, il va dépop. Il va faire pouf. Il va faire salut. Je vais pas balancer. Alors, il a effectivement disparu, mais sur les jeux de DS, apparemment, ils vont un peu plus loin, les PNJ, avant de disparaître. Ah bon? Parce que sur les jeux de Game Boy, vraiment, il faisait 3 mètres, et après, il disparaissait. Là, il a fait 10 mètres, ça va. Du coup, j'ai utilisé les potions pour rien. Oh, un Onyx. Ah, cool, une corde. Mais putain, mais ça fait 3 coups de boule qu'il me met, et 3 coups de boule, j'ai la trouille. C'est scandaleux. C'est un scandale. Waouh, la petite animation quand on tourne dans l'arène. Je vais te le dire. Genre, on est dans une arène de type roche, le premier Pokémon qui va, c'est un Raikaiou, quoi. Genre, what? Genre, qui possède un Raikaiou dans une arène de type roche, en fait? Alors, oui.
Il y a eu une baisse, okay. De tension sur le réseau électrique ou juste une coupure de courant en fait. Ouais, ah. Juste une coupure de courant en fait. Ça y est, c'est revenu, ça recharge. C'est mon frère qui a rallumé le compteur puisqu'il est juste à côté. Enfin, je présume, parce que la lumière est allumée. Et sinon, comment on fait pour croiser des Onyx? Il faut avoir de la chance. Attends. Moi, j'en ai croisé deux, hein. J'y sais rien. Y'a quoi qui est marrant dans tes blagues? Je sais pas. Ta mère? Bah non. Bah si. Ça, c'est pas marrant. Aucun rapport. Bah, je sais. Et alors? Quand toi, tu manges des bonnes crêpes normandes, là, en plein milieu de mercredi temps, tu crois qu'il y a un rapport? Oui. Bah non. Parce que j'ai froid. Y'a pas de rapport. Ah. Oh, y'a un admin. Y'a Chou dans le... dans l'arène. Il est trop chou. Alors ne faites pas ça. Ta gueule. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Tu crois qu'il est français? Si je lui dis chou, t'es trop chou, il comprend. Je sais pas. Attends, je vais aller voir sa langue. Je sais pas si on peut voir la langue des joueurs. Combat, message privé, fenêtre de chat, échange, invité en lien. Fenêtre de chat, ça me dira peut-être. Ah non. Ajouter ami. Allez. Invité en lien. T'imagines l'admin. T'as une casque cool celui-là, et hop, ban. Oh, la musique des champions d'arène. Eh ouais. Et voilà, en 1 heure et 2 minutes, j'ai fait la première scène. Et l'autre en 30 minutes, il en a fait 3. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il mytho, je pense? Ouais, 100%. Impossible, mec, on est allé super vite. Bah, pas vraiment, parce que je vous ai rattrapé, alors j'ai commencé vachement plus tard que vous. Ah, mais toi, t'as pas passé ton temps à rien. Ouais, non, mais toi, t'as entraîné que dalle, t'as capturé que dalle, donc du coup... Bah, j'ai 3 Pokémon que j'ai capturés. Et tu les as entraînés? Ouais. Oui, combien? Ils sont level combien, tes Pokémon? Alors, j'ai un level 3 et 2 level 6. Ta gueule, ferme là. Mais si, j'ai entraîné mon... Moi, j'ai un level 16, un level 9, en fait. Et moi, j'ai un level 16 et 2 level 9. Level 2. Ouais, plutôt 17. Enfin, techniquement, tu vas pas vraiment rattraper, hein. Oh, Onyx, juste avant de sortir de la cave. Yes. Oh, yes, ça c'était piège de rock. Non, fais pas ça. Il a baissé ma vitesse, l'enculé. Blessé par étreinte. Putain, je vais mourir. Match punch, allez. Ah, oh, ça fait pas de dégâts. Je sais pas comment je vais faire pour gagner, hein. Bon bah j'ai tué Onyx. Ah oh, bah il fallait faire un coup critique, il a pas voulu. Je suis sûr que cet enculé il va utiliser une potion en plus. Non, il en a pas. C'est vrai? Ouais. Il en a pas dans le jeu ou dans Pokémon? Dans Pokémon. Allez, 7 jours de compte premium. Yes! J'ai évité l'attaque. Quoi, c'est bien... un cuir acier? Un cuir acier. De type acier. Allez là, il lui reste un PV, merde. Allez, oh, attends, allez, c'est... allez. Voilà, premier fait... champion, c'est fait. J'ai fait un placement pour Ratchet et Legend W2, je fais un placement pour World of Warcraft désormais. Ça va, tranquille, sinon tu veux pas me payer parce que c'est ma vidéo. Comment ça... Parce que, là, parce que j'ai fait mon placement pour produit, je vais y aller. Allez, ciao. Je comprends pas. Non, plus simple, parce que je vais aller dormir là. C'est vrai? On s'arrête à la première arène alors? Est-ce qu'on ferait pas un combat quand même d'abord? Avant de partir. Tu veux qu'on fasse un combat? Ouais. Ah, je te vois en vert, c'est tellement plus visible. Il y a un mec qui s'est appelé Sasuke, quoi. Un combat est lancé par Moku PTS. En plus, t'es plus haut level que moi, quoi. Okay. Ah non, le Axe, s'il te plaît, joue avec moi. Souviens-toi de ce que j'ai dit, le Axe. Je t'en prends. Ok, je peux en tanker encore. Enfin, je peux en faire deux, quoi. Il a pas ce contre... Bah non, le Axe est plus de mon côté. Bah voilà, c'est fini, hein, j'ai perdu. Voilà, c'était encore un peu rapide. Mon Tortipout, il est level 17, il évolue pas. Ah bah s'il évolue au niveau 18 alors, en Boscara. Bon bah ce fut un plaisir de faire ce combat. Moi je dis que c'était le pire starter. Hein. Qui ça? Ah oui, Tortipout, horrible. Non, c'est le pire, c'est qu'il... Ouais, non, mais le pire c'est, vu qu'il évolue en type plante seul en Torterra,
Le problème, c'est que l'arène, la sixième, ouais, c'est la sixième arène qui est de type glace, ton terrain ne servira à rien. Mais quand je dis à rien, c'est vraiment à rien. Il y en a qui se revendent, je sais pas. Ça fait un plaisir. T'as quoi d'autre comme Pokémon? Sinon, je les ai pas vus. Bidouf et Zubat. Je peux rien faire. Ouah, c'était une démonstration de stratégie incroyable. Écume. Bon bah écoutez, voilà, on espère que ça vous a plu cette petite découverte de Pokémon MMO sur Platine. J'ai pas fini le champion. Quoi. Trop tard, on t'attend pas. Et ça nous dit d'avoir rattrapé quand même. Non mais enfin, de toute façon ça va être super long, je vais avoir la flemme de le monter donc. Donc ça sortira jamais. Exact. Bref. Bah du coup, pouce bleu, abonnement, cloche, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un mercredi temps, Tender. Ouais. Allez, à plus.